Ça va être la première vidéo d'une petite série de vlogs parce qu'on part en vacances avec Tony que vous avez déjà vu. Bon, du coup, je vous ai pas trop filmé toute la première partie avec la route parce qu'en plus on a pris l'autoroute et tout, donc ça va faire un bruit pas possible. On est parti un peu plus dans le sud de la France, c'est-à-dire ça s'appelle Valabrègue, c'est dans le Languedoc-Roussillon. C'est le département du Gard, c'est ça? Département du Gard, d'où le petit jeu de mots que j'ai trouvé hier soir à la va-vite. Donc du coup là en fait on est dans un petit gîte, on est parti ce matin et on est arrivé ce soir vers 4h15 à peu près. On a été vite fait faire les courses parce qu'on avait rien de rien et donc là on est dans un petit gîte. Ça va être plus comme des daily vlogs en fait. Par rapport aux vlogs que j'ai déjà fait là, ça va vraiment être un petit peu des petites scènes de tous les jours. Pendant toutes nos vacances et en fait vous aurez une vidéo par jour. Ces derniers temps, et je croise les doigts pour que ça reste comme ça, je réussis à faire une vidéo tous les 4 jours. Mais j'avais pas envie de trop engorger la chaîne avec que des vlogs, parce que je sais très bien que certaines personnes n'apprécient pas forcément et qu'au bout d'un moment c'est un peu saoulant d'avoir que ce style de vidéo. Au lieu de faire une vidéo tous les 4 jours, je vais faire une vidéo tous les 2 jours. Mais avec à chaque fois une vidéo sur deux. Donc pour être plus précise, c'est-à-dire que si je sors une vidéo classique, 2 jours après ce sera une vidéo vlog, 2 jours après vidéo classique, 2 jours après vidéo vlog. Donc ça fait bien une sur deux, mais ça évite d'avoir que des vlogs. Sachant qu'aujourd'hui on est le samedi 17 et que quand vous verrez cette vidéo, on sera le mardi 20. Ça va être le mardi 20 que la première vidéo vlog va sortir. J'espère que ça va vous plaire. On a prévu d'aller quand même faire pas mal de petites choses. On est du côté de Tarascon, tout ça. Donc on a prévu de faire pas mal de visites. On va passer une journée à Montpellier. Donc on va vous emmener avec nous. Et puis je vais déjà vous faire un petit gîte tour. Je me mets à l'entrée. Hop, ici c'est la partie salon, donc on a la petite télé, on a une grande baie vitrée, donc ça c'est cool parce qu'en plus il fait beau. Enfin, il annonce de la flotte pour demain, mais il va faire beau après, donc on a une grande baie vitrée, ça va être super lumineux. Donc on a la petite télé avec une petite table basse, mon petit thé qui infuse. Le canapé ici, au fond on a l'escalier qui mène à la mezzanine, en fait c'est là où il y a la chambre. On a un petit meuble de rangement, une grande table. Ensuite là on a la partie cuisine, donc un grand frigo, on a la gazinière, micro-ondes, tout ce qui s'ensuit. Un petit lave-vaisselle, donc ça c'est cool parce que nous on en a pas à la maison et on est trop contents. Donc là, coucou, là c'est moi. Là c'est la salle de bain, bon ça c'est petit mais on a besoin de douche et de chiottes, hein. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Mais voilà, une petite salle de bain. Et le petit meuble est mignon comme tout, j'aime bien avec la petite lampe et les petites fleurs, c'est trop joli. Et donc là en fait quand on monte la petite échelle et ça mène à une petite mezzanine. C'est mignon comme tout, on aperçoit, coucou, on aperçoit Tony en bas. Donc là hop, tout de suite sur la gauche c'est notre chambre. On a un petit lit comme ça avec une table de chevet de chaque côté, des petites étagères avec les couvertures. Voilà, ici c'est une autre petite partie où en fait il y a deux couchettes comme ça. Deux petites couchettes et puis c'est pour les gens qui ont des enfants ou si c'est deux couples d'amis qui viennent ensemble par exemple. Je m'allonge, voilà un petit peu le tour du gîte, ça fait à peu près 40 mètres carrés à peu près. À l'extérieur il y a la piscine, alors c'est une piscine couverte mais elle n'est pas chauffée donc on ne sait pas trop si on va se baigner parce que... on est quand même mi-octobre, alors il faudrait vraiment qu'il fasse super beau dans la journée pour qu'elle soit à peu près bonne. On nous a dit qu'elle était à 20 degrés, donc j'espère que la mise en place des vidéos, la fréquence de sortie va vous convenir. Je croise les doigts pour que mon planning que j'ai prévu, que je puisse tenir le planning parce que... Et puis ils annoncent du beau temps pour toute la semaine et on a prévu pas mal de petites choses, pas mal de visites, donc ça va vraiment être super sympa. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous partager ça un petit peu, qu'on puisse vous emmener avec nous. Je vais sûrement vous refilmer des petits bouts dans la soirée, mais là aujourd'hui ça risque d'être une vidéo toute courte. C'était vraiment pour la présentation, vous dire où on allait, comment ça allait se passer sur ma chaîne, parce que on a fait beaucoup de routes et c'est pas très intéressant. En plus la route était vraiment chiante comme tout à faire. Et puis le bruit on n'aurait rien entendu, on a fait juste une pause déjeuner ce midi mais voilà il n'y avait rien de très passionnant. En tout cas j'espère que cette petite bande annonce vous plaît et puis je vous retrouve plus tard. C'est beau un homme qui cuisine. Hein. Au menu ce soir, des petites pommes de terre sautées avec, tada, les moules. On avait pas de patates. De frites, on a fait des petites patates. On va se mater H, qu'on aime bien, surtout Tony qui adore. C'est un peu son humour, donc ça lui va très bien. Hein ? Ouais.
Il y a un peu le même humour à la Eric Judor, un peu pourri, mais ça nous fait rigoler. Alors que Charline, c'est plus San Romanoff, alors on est mort de rire tous les soirs. En tout cas, si jamais vous vous apprêtez à mettre à table, on vous souhaite un bon appétit. Mais nous, je pense qu'il va être très bon. Tu les as faites à quoi, les moules? Crème fraîche, marinière. Crème fraîche, donc moule marinière. Parce que je ne suis pas à la maison et j'ai rien ici pour cuisiner. C'est lancé avec Tony dans American Horror Story, donc on est en retard par rapport à tout le monde. Hein. Tout le monde a déjà vu cette série, mais nous on vient tout juste de la commencer et on aime beaucoup. Sauf que là, bah, c'est style, on capte très mal, donc on peut pas regarder la série encore ce soir, mais normalement dès lundi on pourra, mais au moins on a internet, donc ça c'est cool. Mais au moins il y a internet, donc c'est sûr. Ah, t'es dégueulasse! En plus, ça a dû bouffer du fond de teint. Du coup, bah, on va se mettre à la télé pour le moment. Et puis, on verra bien. Mais au moins, il y a internet. Donc, je pourrai vous poster les vidéos que j'ai prévues. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est bientôt prêt? Ouais. Ça s'écrit pas vite. Si jamais il n'y a pas de suite à cette vidéo, c'est qu'on sera mort empoisonné. Non. Tony, c'est le meilleur cuistot de la Terre. Et que lui qui cuisine à la maison parce qu'il est très doué et il adore ça, donc ça tombe très bien. Donc on va se régaler. Bon les copains, je me démaquille et je vais conclure ce vlog ici parce que voilà, là, je vais me préparer pour me mettre en pyjama. On va juste faire le lit, puis là on regarde la télé tranquillement, donc plus grand chose de très intéressant ce soir. Ça n'aura pas été une journée très important parce qu'on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, mais dans les prochains jours ce sera différent, donc j'espère quand même que le programme vous plaît. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée, après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas pour nous ça va être la nuit, donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bisous.